Le vintage fait son grand retour, c'est la tendance du moment. Mais ça se passe du côté de nos plantes d'intérieur. Elles sont belles, ultra décoratives et en plus hyper résistantes. Que peut-on leur demander de plus ? Ah bah pas grand chose tellement elles frôlent la perfection. Elles, ce sont les plantes fleuries et les plantes vertes de nos intérieurs. Elles sont vintage, faciles et superbes. On parle d'abord des plantes succulentes et des cactus. Ah ben là, vous les connaissez, vous les reconnaissez à leur forme et leur couleur. Elles proposent tous les styles, toutes les tailles et bien sûr des graphismes très variés. Les langues de belle-mère, appelées aussi Sansevieria, sont des incontournables. Il faut dire qu'elles sont tellement faciles d'entretien qu'elles tiennent une place de choix. Le bégot, qu'on le choisisse pour son feuillage coloré ou ses jolies petites fleurs, insuffle une nouvelle jeunesse au charme d'autrefois. Le dracéna, avec son feuillage panaché ou non, propose un joli port sur tige, terminé par des touffes de feuilles très denses. Et les ripsalis, ces cactées épiphytes sont retombantes. Elles sont si gracieuses qu'on a juste une envie, c'est de toutes les cultiver. Les plantes vertes et les plantes fleuries vintage font partie de nos décorations intérieures depuis bien longtemps. Et la raison en est simple, elles sont classe et surtout, faciles d'entretien. Bah tiens,